Mes amis, je vous embrasse. Je voudrais embrasser la majorité des hommes abonnés sur ma page Facebook, abonnés sur ma chaîne YouTube, abonnés sur mes autres pages, sur les autres réseaux sociaux là. Je vous embrasse. Parce que figurez-vous que 76 ans de mes abonnés sont des hommes. Je veux embrasser vos épouses, vos chéris, vos go, partout elles sont. 76 de mes abonnés sont des hommes. Donc, je veux saluer vos chéris, là. Parce que pour me suivre, vraiment, ça veut dire même en réalité que c'est parce que vos femmes acceptent que vous me suivez. Et ça, c'est important. On va parler de cette actualité qui est, je trouve qu'elle est très, très grave. Et il y a tellement de sujets, mais il fallait que j'intervienne rapidement sur cette actualité qu'on ne peut pas laisser passer. Les officines en perte de repère, de vitesse, d'orientation, dont le GPS est brouillé, font de la propagande sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, pour faire croire aux plus fragiles que l'État de Côte d'Ivoire veut faire assassiner le colonel Mourou Ouattara. Avant de commencer ce live-là, je voudrais dire bonjour au colonel Mourou Ouattara que j'ai eu au téléphone. Et lui dire merci de m'avoir accordé ces quelques minutes d'entretien. C'est important de le souligner. Oui, le colonel Mourou Ouattara va très bien. Il se porte très bien. Il n'a pas fait d'accident. Il n'a pas eu sa voiture cabossée. Il n'a pas eu d'égratignure. Personne n'a tiré sur lui. Il est à son poste régalien. Il est au service de la République. Il est au service de l'État. Il est au service du président Alassane Ouattara. Les officines de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro est très fort dans tout ce qui est propagande. Ça. Faut reconnaître la force de ton adversaire dans son domaine d'action. En matière de propagande, il est très fort. Il est doué dans ça. C'est un physiste. C'est leur seul métier qu'ils ont appris à l'université. D'ailleurs, si on devait leur donner un diplôme, ces diplômes de propagande-là, si ça existait, eux, on devait les décorer, les gens de la FECI. La propagande, c'est leur domaine. Les montages grossiers, c'est leur domaine. Les fake news, c'est leur profession. Pour ça, on ne peut pas nier. Il est trop fort dans ça. C'est son domaine-là qu'il a là. Domaine d'action de Guillaume Soro, là. C'est ça qu'il a. Abou Bakar, merci. Modestine, je t'embrasse, ma soeur. Bamba Général, je vous embrasse tous. Il est très fort dans la manipulation des âmes fragiles. Il arrive à manipuler facilement les personnes qui n'ont pas l'information juste, qui ont un problème de discernement, de savoir dissocier les choses. Malheureusement, il y a dans nos sociétés des âmes fragiles et on ne peut pas les en vouloir. Mais c'est à nous de faire de notre mieux, de s'engager résolument et de façon citoyenne pour éclairer ces âmes fragiles. C'est ce qu'on essaie de faire. Mes frères et sœurs, le colonel Mourou Ouattara va très bien. Il est à son poste régalien. Il est au service de la nation. Un militaire, son rôle, c'est ça. Il est au service de la République. Il sert l'État, il sert les institutions. Il est aux ordres du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Je tiens à le souligner. Parce que nous sommes dans une guerre de communication où chacun utilise les moyens qu'il a à sa possession
pour faire de la mauvaise communication comme de la bonne communication. Moi, j'ai fait mon choix de faire de la bonne communication, c'est-à-dire d'informer les populations, d'informer ma communauté, de donner les informations vraies à ma communauté et non de servir des fake news à ma communauté. Je vous respecte beaucoup. Si je suis là, c'est grâce à vous. Si je continue d'avoir la voix, d'hausser le ton, de porter votre voix, c'est parce que vous êtes là et je vous le dois. Par respect pour vous, je dois vous donner des vraies informations. Je ne peux pas colporter des montages, des mensonges, des fake news et vous servir en longueur de journée sur la toile. C'est un manque de respect. Ceux qui prennent plaisir à mentir à leur communauté, à servir des torchons, des tissus, des mensonges, à faire de la propagande, à faire des fake news, leur seule idée, leur seul sujet des vidéos, vous manquez de respect et manquez de respect à leur communauté. Il manque de respect à ceux qui les suivent. Ça s'appelle la foutaise. En fait, ils se foutent de vous. Ils viennent sur les réseaux sociaux pour vous dire que vous n'êtes pas intelligent. Donc, ils peuvent vous mentir comme ils veulent et ils n'ont rien à cirer pour être poli. Mais moi, j'ai choisi de vous informer citoyennement, bénévolement, d'apporter l'information vraie. Depuis 48 heures, 72 heures, les officines de M. Guillaume Soro ont fait des montages grossiers. Fait passer des fake news. Jusqu'à accuser le ministre de la Défense. Le ministre Tene Ibrahim Ouattara. Jusqu'à accuser le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara. De vouloir assassiner ses propres enfants. Ah, il faut avoir un mauvais fond pour se comporter ainsi. Il faut avoir un mauvais fond pour chercher à brûler encore à nouveau ce pays. Mes frères et sœurs, on va regarder la vidéo dont il est question rapidement et on va continuer notre direct live. Suivez bien cette vidéo. Le chef était là. C'est dans cet article là, on a pris notre direction. Donc, nous, on est arrivé au fond là-bas. Oh ouais. Mon petit là. Lui, sa moto est grattée. Il nous a appelé que non, on n'a pas revenu. Il a eu une panne. Donc, nous sommes revenus. C'est pourquoi nous, notre moto l'a fait partie. Oh ouais. Donc, nous sommes revenus pour venir le dépanner. Donc, dans ça, on a appelé quelqu'un pour venir le dépanner. Donc, c'est dans ça en même temps. Il est venu vous dépasser ici. Il est venu nous dépasser. Nous, le voilà parti. Il nous a demandé qu'on a quoi. Donc, lui, on a eu une panne. Donc, c'est dans ça qu'il est parti. Au tournant là. Il est arrivé là-bas net en même temps, on a entendu bruit des. Coup de feu. Allô? Coup de feu. Ça dit, ça fait suivi trois fois. Pas bon. En même temps. On t'a dit quoi? On marche arrière. Ça tire encore. Et courir aussi derrière lui. Là, nous aussi, on est rentré dans le bouche. Donc, les gars couraient derrière lui. Il était combien? Bruit de fili là, ça venait. Voilà, ça venait, donc on ne pouvait pas. On pouvait pas attendre pour regarder. C'est là, nous aussi on est rentrés. Donc mes frères et sœurs. Voilà un peu la vidéo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Les officines et M. Guillaume Soro font circuler cette vidéo comme si elle datait. Il y a une semaine, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours. Les officines de Guillaume Soro font circuler ces images comme si ça datait
d'hier ou avant-hier ou d'une semaine. Je vais vous relater les faits, l'information juste. L'information juste. Adèle Gueye, maman, je t'embrasse. Pardon, le grand marabout. Il était sabariwa, il y a femme. Là, là, nous, on est dans nos sujets, on n'est pas dans tout de marabout, là, pardon. Je vais vous relater les faits. La vidéo que vous venez de voir, d'écouter, date il y a plus d'un mois de cela. La vidéo que vous venez d'écouter, il y a plus d'un mois de cela. Parce que un certain, bon, une plateforme, je dis bien une plateforme sur les réseaux sociaux qu'ils appellent, ils appellent Chris Yapi, c'est ça. Chris, le fameux, hein, la fameuse plateforme, parce que c'est une plateforme où des gens ont des codes d'accès, ils vont écrire. Ce n'est pas une personne qui écrit sur cette plateforme. C'est des personnes qui sont, c'est comme votre plateforme où des gens sont des modérateurs. Donc, vous les acceptez, ils rentrent avec leur code, ils écrivent dessus. Donc, cette plateforme, ça est, on l'appelle Chris Yapi. Donc, la plateforme écrit le 14, je pense le 14 ou le 15 août dernier. Le 14 ou le 15 août dernier, la plateforme écrit « Le colonel Ouattara Mourou échappe à la mort ». C'est ce que la plateforme écrit. Parce que ça est là. Hein. Voilà. Je n'ai pas mis ça. Hein. J'ai mis ça. Voilà. Ça, la plateforme est ici. Je n'ai pas mis ça sur... Je n'ai pas voulu télécharger. Le colonel Ouattara Mourou échappe à la mort. C'est Chris Yapi qui écrit. Le colonel Ouattara l'a échappé. Bon, a échappé, il voulait dire forcément. L'a échappé de belle. Je ne sais pas ce qu'il voulait écrire, mais en tout cas, j'essaie de rendre un peu plus compréhensible son texte que je... Bon, c'est pas grave. Malheureusement, ce n'est pas le cas de son chauffeur. Il voulait dire le colonel Ouattara a échappé de belle, mais ce n'est pas le cas de son chauffeur. C'est ce que certainement ce Chris Yapi a aussi des lacunes, comme nous tous, a voulu écrire. Mais il dit malheureusement, ce n'est pas le cas de son chauffeur qui a été lâchement abattu par un commando du colonel Kone Zakaria. En effet, informé par une taupe du colonel Kone Zakaria, infiltré dans sa... Point, 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 point. C'est ce fameux, cette plateforme qui fait ce poste sur la plateforme pour dire que le colonel Mourou Ouattara a échappé à l'assassinat planifié, qui aurait été planifié par le colonel Kone Zakaria. Mais heureusement, il y a une taupe au sein du... C'est ce que ce fameux Chris Yapi écrit sur la plateforme. Et après l'écriture de Chris Yapi, il est suivi d'un montage grossier qui vient attester comme si l'affaire s'est passée. Vous voyez la manipulation. C'est pour ça que je parlais de dire c'est de bonnes guerres. Mauvaises ou pas, mais c'est de la guerre de communication. Quand tu cherches à atteindre ton adversaire, tu fais des guerres de communication. Tu fabriques des choses, des mensonges, tu colles le vrai du faux et puis tu mélanges, tu crées le doute dans l'esprit des uns et des autres. Et je pense que la stratégie de Guillaume Soro, c'est celle-là. Créer des doutes au sein des généraux ou des gradés de l'armée pour que chacun se méfie de l'autre. Et en même temps, créer de la zizanie dans l'esprit des différents fan clubs de ces gradés de l'armée et provoquer une fragilité au sein
des militants, malheureusement, tous les militants ne sont pas au même niveau d'information. Et beaucoup n'ont pas, ne prennent pas des reculs. Ils sont beaucoup dans la passion. Ils sont beaucoup dans la passion. Je vois quelqu'un qui dit, il s'appelle Dieu est justice. Il me dit, je suis une sale dévergondée. Mais je vous remercie beaucoup. Parce que, sale dévergondée, nous sommes tous des créatures de Dieu. Dans les livres même, c'est écrit. Il y a même la prostituée qui est venue essuyer les pieds de Jésus. Et elle a été bénie. Mon frère, dévergondée, oh, gondée, oh, dévergondée, oh, tout ça là. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Donc, c'est une très bonne chose. Moi, les injures, franchement, je suis tellement abusée. Ça me plaît même au fait. C'est ce que vous ne savez pas. Injure, là, c'est comme mon sacrifice. C'est comme mon... Comment on peut dire ça? C'est le sacrifice même. Plus tu m'insultes, plus je monte en grade. Donc, ça là, continue. Et nous, on continue de faire le bien à la nation, le bien à la République et faire du bien. Te faire toi-même du bien. Parce que si tu es connecté là, c'est parce qu'au fond de toi, tu as envie d'avoir la vérité avec toi. Tu as envie d'être éclairé. Tu as envie d'avoir de la lumière. Et moi, je t'apporte cette lumière là. Donc, j'accepte l'injure avec plaisir. Alors, le jeu de Guillaume Soro, c'est de fragiliser. Ça s'appelle la guerre de communication. Et je reviens, je répète, je dis, on peut détester une personne, on peut critiquer, mais on doit reconnaître dans quoi il est fort. Soro est fort dans la propagande, c'est ce qui s'est fait. Soro est fort dans la manipulation des esprits faibles. Et il y met tous les moyens pour y arriver. Et c'est dans ce but-là qu'ils essaient de créer du désordre. Pourquoi? C'est-à-dire Soro joue sur deux plateaux. Il est au sein de l'armée, il pensait. Dans son imagination, dans sa tête, dans son esprit, Soro pense que l'armée, lui qui n'est pas chef d'état-major, lui qui n'a jamais été militaire, lui qui n'a jamais fait la formation militaire, lui qui n'est pas ministre de la Défense, lui qui n'est pas président de la République, Guillaume, dans son esprit, pense que l'armée doit être à ses ordres. C'est une pathologie. C'est une pathologie chronique. Penser ce que tu n'es pas. C'est bien de rêver. Mais de croire qu'il est ce qu'il n'est pas. Dans sa tête, il pense qu'il est le président. Donc, il pense que ceux qu'il considère comme ses amis, entre guillemets, Soro pense que le colonel Moro Ouattara lui doit. Il pense que Zakaria lui doit. Il pense que même l'armée de Côte d'Ivoire lui doit. Soro, dans sa tête, pense que les gradés de l'armée lui doivent. Mais ce qu'il ne sait pas en réalité, c'est que sans l'armée, sans ce qu'il méprise, qu'il pense qu'il doit être à ses ordres, lui, Soro, il ne serait rien. Guillaume n'arrive pas à assimiler. Guillaume n'arrive pas à assimiler. Guillaume n'arrive pas à assimiler. Il n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de l'État, le fonctionnement des institutions. Malheureusement, il a occupé des postes à haute responsabilité par circonstance. Malheureusement, il a occupé des postes de responsabilité par circonstance et non par mérite. Le mérite, c'est l'excellence. C'est ce que tu connais. Mais Soro a occupé des postes parce qu'il y avait un vide. Parce qu'il y avait un vide. C'est pour ça que toujours quand je parle, je dis, la nature a horreur du vide. Quand il y a un vide, il y a un vaurien qui va se lever pour prendre la place du vide. Parce qu'il faut combler le vide. Il faut combler le vide. Donc Soro a occupé des postes
régalien par circonstance, parce que la nature a horreur du vide. Sinon, comment quelqu'un qui n'est pas général de l'armée, qui n'a pas fait de guerre même, qui n'a même pas gradé, qui n'a jamais fait l'armée, qui n'est pas un colonel, qui n'est pas... s'élève et pense que l'armée régalienne de Côte d'Ivoire doit être à ses ordres parce qu'il a des amis, il a des acquaintances. Donc ceux-là, comme lui avant, il était premier ministre sous Laurent Gbagbo. Comme lui avant, il était ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo. Comme lui avant, il a été président de l'Assemblée nationale. Il pense, en fait, dans son imaginaire, il pense que la Côte d'Ivoire doit s'arrêter à lui, sa personne. Parce que lui, Soro, comme moi, je ne suis plus président de l'Assemblée nationale, il ne doit plus exercer de député en Côte d'Ivoire. Comme moi, je ne suis plus premier ministre, il ne doit plus avoir de gouvernement en Côte d'Ivoire. Comme moi, je ne suis plus ministre de la Défense, personne ne doit occuper ce tabouret. Mais Guillaume, mon petit Guillaume, la vie ne s'arrête pas à toi. Le monde ne tourne pas autour de toi. Le monde est vaste, Guillaume. Guillaume, mon petit Guillaume. Mon petit Guillaume. Le monde ne s'arrête pas à ta taille. Le monde ne s'arrête pas à ta taille. Le monde est vaste. Mais c'est pas toi, c'est un autre. Avant toi, il y en a eu. Après toi, il y en a. Et après, il y en aura. Le monde n'est pas Guillaume. Mon petit Guillaume. Le monde n'est pas toi. C'est une pathologie chronique de croire que le monde est toi. Le monde n'est pas toi, Guillaume. Le monde n'est pas toi. Le pouvoir, là, tu ne peux pas l'avoir par la propagande et par les fake news. Le pouvoir, là, tu ne peux pas vouloir diriger un jour par magie. Un jour par magie, je dis bien par magie. Par magie. Ou par erreur. Du casting. On va dire ça comme ça. Parce qu'on dit jamais, jamais haut. Mais un jour par magie. Par magie. Un jour par magie. Vouloir diriger la Côte d'Ivoire et croire que tu vas être un grand homme par des fake news. Ton ami Mourou, s'il a été ton ami hier, soit dans la rébellion, mais Guillaume, il a grandi, il est monté de grade. C'est pas parce que toi, tu n'es plus dans les affaires. C'est pas parce que toi, tu n'es plus aux affaires. Que tous ceux qui ont collaboré avec toi hier devaient sortir des affaires pour se mettre à tes pieds. Guillaume, mon petit Guillaume. Le monde n'est pas Guillaume. Le monde n'est pas Guillaume. Guillaume, réveille-toi. Tu rêves de trop. Le monde n'est pas Guillaume. Réveille-toi. Réveille-toi. Il y a un film là, des dessins animés des enfants. Jean de la Lune, tu rêves comme Jean de la Lune. Tu t'assois sur un arbre le soir, tu regardes soit la pleine lune, tu regardes la lune et tu penses que tu as touché les étoiles. Non, Guillaume, réveille-toi. Le monde n'est pas toi. Parce que la stratégie de Guillaume Soro, c'est quoi? Sa stratégie, c'est quoi? C'est de créer la méfiance au sein de l'armée, parce qu'il faut fragiliser. C'est pour ça que je dis, c'est de bonnes guerres, c'est de la guerre de communication. Il va fragiliser les éléments dans l'armée. Donc, il va créer des doutes dans l'esprit de leur chef de l'hiérarchie pour dire, ah, auprès de Kone Zakaria, il y a une taupe. Alors, donc, au sein de l'armée, c'est-à-dire, on va se dire, ah, mais Kone Zakaria, là, si Guillaume Soro avec ses officines ont dit il y a une taupe, on va se méfier de Kone Zakaria. Bon, donc les gens vont créer des soupçons. Il s'est dit comment je dois faire? Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Je vais créer des tensions entre Mourou, le colonel Mourou et Zakaria Kone.
Comme ça va les fragiliser. Ils vont se détester. Ils vont se détester. Et puis chaque groupe de Moru va venir critiquer l'autre groupe de Zakaria. Ça va fragiliser. Parce qu'il faut fragiliser pour frapper. Si l'armée est solide, si l'armée est régalienne, si l'armée a une seule vision, si l'armée est autour de la République, si l'armée est autour du président, si l'armée est autour du ministre de la Défense, Guillaume Soro sait depuis longtemps. Il sait combien de coups d'État qui ont échoué dans ce pays. Donc, il n'arrive pas. On a essayé l'insurrection, ça ne marche pas. On a appelé à la désobéissance civile, ça ne marche pas. On frappe dans les frontières, ça ne passe pas. On veut faire des... On veut... Ça ne passe pas. Bon. Donc, il passe à autre option. On va faire quoi? On va fragiliser l'armée. Donc, il faut créer des stratégies. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ce qui s'est passé là, effectivement qu'il y a eu un accident. Mais l'accident qu'il y a eu, ce n'est pas le colonel Moro qui était dans la voiture. Ce n'est pas le colonel Moro Ouattara qui était dans la voiture, ce n'est pas lui. C'est un de ses chauffeurs. Et ce n'est pas le chauffeur, ça veut dire que ce n'est pas le chauffeur de l'armée là, ce n'est pas lui. Parce que le colonel Moro Ouattara a deux chauffeurs. Il a deux chauffeurs. Celui qui est décédé là, c'est Baker. Il a deux chauffeurs. Le chauffeur régalien, le chauffeur de son poste de service, ça c'est le chauffeur qui est tout le temps avec le colonel, qui est partout avec lui, ça c'est son chauffeur de mission. Mais le chauffeur qui est à Bandoukou, de sa maison au village là, ça c'est le chauffeur du village. C'est son chauffeur du village, au village à Bandoukou. C'est le chauffeur du village à Bandoukou là. C'est lui qui a été agressé par des coupeurs de route. On dit coupeurs de route. Mais il a été agressé par des agresseurs. Et pour ceux qui sont dans la région, ils savent très bien qu'il y a beaucoup, il y a souvent, très souvent des agressions. Comme dans tous les pays d'ailleurs. Comme dans tous les pays. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a des braquages, qu'il y a des agressions. Même en France, il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a des braquages et agressions. Les gens même vont sur les Champs-Élysées pour aller braquer même, chômer, pour aller braquer même des bijouteries. Ça est sur les Champs-Élysées où il y a toutes les caméras là. Et ils rentrent, ils braquent et puis ils prennent des bijoux là à hauteur de 20 millions d'euros. Ils récupèrent puis ils s'en vont. Et puis ils disparaissent. À plus forte raison chez nous. Donc les braquages, il y en a partout. Malheureusement, le chauffeur du village, du colonel Moro Ouattara, est allé faire sa course. Je n'ai pas envie de montrer les images parce qu'elles sont choquantes. Donc, je vais montrer juste la voiture. Voilà. Les images sont choquantes. Je ne vais pas montrer les images que j'ai reçues. Je ne vais pas les montrer parce qu'elles sont choquantes. Vraiment. Je vous montre juste les images de la voiture. Je vais vous montrer les images de la voiture. Comment je vais faire pour ne pas que vous voyez ce qui est là. Voilà. 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 Pour ne pas que vous voyez le nom dont j'ai mis le doigt dessus. Voilà les images de la voiture. La voiture était seule. Une 4x4. Le chauffeur du village était seul dans la voiture. C'est-à-dire, c'est une seule voiture. C'était pas un cortège du colonel Moro. C'était pas un cortège du colonel Moro. Bon. Je ne vais pas montrer parce que pour le respect de la famille, pour le respect de la famille, je vais pas, voilà, vraiment. Paix à l'âme de son chauffeur Baker, paix à l'âme. Et que Dieu ait pitié de son âme, l'accueille au paradis. Le chauffeur partait faire une course. Pour ceux qui connaissent Bandoukou, moi j'ai été à Bandoukou et c'est une ville que j'aime beaucoup. Je suis tombée amoureuse de cette ville de Bandoukou. C'est une très belle ville et que je suis vraiment, j'adore cette ville. Quand tu quittes vers Nyimerekuru et tu vas à Bandoukou, la route est vaste. Il y a de grandes forêts.
Bandoukou, là, c'est pas que la savane, hein. Les villages, là, sont très éloignés. Bandoukou, même, là. C'est-à-dire, c'est une grande voie. T'as l'impression que si ils finissent de faire les travaux, le goudron, là, t'as les voies, vous voyez, ceux qui sont en Allemagne, là, comme les voies de l'Allemagne, là. C'est comme ça, la route, quand tu vas à Bandoukou, la route est vaste, elle est large. Mais, entre les villages, là, tu peux taper 3 km, tu trouveras encore un deuxième village. Donc, toi-même, quand tu es sur la route, même avec ton chauffeur, là, ton cœur bat. Tu te dis, ici, là, si quelqu'un quitte, parce que la brousse, elle est là. Hein. Si quelqu'un sort de là, il rentre là, mais tu es foutu. À quel, tu ne peux pas faire demi-tour. Tu ne peux pas foncer, mais là, tu es cuit. Donc, il faut, souvent, on te dit, mais vers 17h, il faut que tu quittes déjà la zone. Ce n'est pas une question, les gens m'ont dit, ah, il y a de l'insécurité. Mais de l'insécurité, il y en a partout. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous devons être ces bons citoyens pour porter des messages de paix, de cohésion, pour pouvoir réduire et aider l'État à sécuriser efficacement toute l'étendue du territoire. Donc, Bandoukou, pour ceux qui connaissent là, là, le lieu de l'accident, il est à 500 mètres du Ghana. Je vais vous remontrer. Le lieu de l'accident est à 500 mètres du Ghana. Voyez, je vais cacher là, je vous montre ici là. Voyez ça. Le lieu de l'accident est à 500 mètres du Ghana. Quand je vous parle des forêts là, mais laissez tomber. T'as l'impression que tu es à l'ouest, presque à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quand tu arrives là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu as l'impression que tu es presque à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont des vastes forêts là-bas. La forêt est vaste. Il y a plein d'espace. Il y a plein d'espace. Il y a plein d'espace là-bas. Le lieu de l'accident est à 500 mètres. Je ne dis pas à 5000. Je dis 500 mètres. Ça dépend de là où tu es positionné. Parfois, tu es à 200 mètres du Ghana. Les gens qui sont venus agresser, parce que c'est une agression, qui sont venus braquer le 4, la voiture. Parce que c'est la voiture qu'ils sont venus braquer. C'est des braqueurs. C'est des braqueurs. Donc, ce n'est pas un commando qui sera invisible que Zakaria Kone aurait envoyé pour venir tuer le colonel Mourou. C'est du mensonge, c'est des fake news, c'est des montages, c'est de la manipulation des officines de M. Guillaume Kibafori Soro, le petit Guillaume. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Parce qu'il veut créer la méfiance, il veut créer la division, il veut fragiliser l'armée. Maintenant, je dis, il faut les comme zones là. Je vais les mélanger leur tête. Comme ça, au moins, si j'ai réussi à mélanger les comzones, le président Alassane Ouattara ne va pas faire confiance. Parce que c'est ce qu'il est en train de créer. Parce que ceux qui sont venus agresser le chauffeur du village, du colonel Mourou Ouattara, ne sont pas venus de la Côte d'Ivoire, puisque quand tu es de l'autre côté de la forêt, tu es en Côte d'Ivoire. La route, elle est là. Tu es de ce côté, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es de l'autre côté, quand tu vas à Bandoukou. Voilà, quand tu vas à Bandoukou, de ce côté gauche, là, tu es en Côte d'Ivoire. Le côté droit, c'est le Ghana. Ceux qui sont venus l'agresser sont venus du côté droit, du Ghana, pour venir l'attaquer. Parce que, entre les frontières, ce sont les plantations, ce sont les champs qui séparent, les champs des paysans, qui séparent le Ghana à la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens du côté de Bandoukou, qui ont leurs plantations souvent au Ghana. Il y a des Ghanéens mais qui ont leurs plantations souvent en Côte d'Ivoire. Ça dépend de là où tu te positionnes. Donc, c'est un carrefour qui est stratégique, mais en même temps, ceux qui sont venus agresser le chauffeur sont venus du côté du Ghana. Donc, ce n'est pas un commando qui est venu quelque part pour venir tuer quelqu'un. Pourquoi vous faites ça? Mes frères et sœurs, franchement, il faut être ivre, saoulé, pour ne pas comprendre, pour ne même pas faire un effort de faire, d'avoir un esprit de discernement, il faut être daïmé mort pour faire croire aux Ivoiriens qu'il y a un commando qui est venu pour assassiner le colonel Mourou. Il faut être saoulé pour raconter ça.
Oui. La maison que tu as pété même la bouteille. C'est pas possible. En tout cas, à un moment donné, on peut faire de la politique. C'est un droit. On peut faire de la politique. C'est un droit. Oui, c'est bien de faire de la politique. Mais faisons la politique proprement. Surtout quand on a, nous tous, on est témoins de ce que notre pays a vécu. Nous sommes encore des témoins vivants de ce chaos qu'a vécu notre pays. Aujourd'hui, là, nous, les témoins vivants, nous devons être des acteurs de stabilité, des acteurs de paix, des acteurs pour sensibiliser la population, pour dire, nous sommes des témoins vivants de la guerre que notre pays a vécue. Nous ne voulons pas que la génération à venir puisse vivre la guerre que nous avons vécue. Nous ne voulons pas que nos enfants puissent vivre ce que nous on a vécu. Nous ne voulons pas que nos petits-enfants vivent ce que nous avons vécu. Notre droit, notre devoir, c'est une obligation de participer à la stabilité du pays. C'est une obligation, mes frères et sœurs. Donc arrêtons un peu cette façon de faire la politique qui ne nous sert pas. Parce que ça ne sert même pas l'image de Guillaume Soro. Guillaume Soro, là, on le connaît comme chef rebelle. Guillaume Soro, on le connaît pour ça. Donc, plus vous faites ça, plus vous l'enfoncez. Parce que j'ai dit ça. Les réseaux sociaux, là, il y a ceux qui t'encouragent pour t'enfoncer. Et puis, il y a ceux qui disent, ça te choque, mais c'est pour t'aider. Nous, on fait partie de ceux qui choquent très souvent, mais pour vous aider. Pour vous aider, il faut arrêter cette forme de propagande. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Si vous voulez participer à la vie démocratique de votre pays, présentez vos projets aux Ivoiriens. Venez convaincre la population, la masse, sur votre capacité à diriger le pays un jour. C'est sur le pied du mur, on voit le vrai maçon. Tu n'as pas de projet de société. Tu n'as pas d'idée. Tu t'assois sur Facebook. Tu prends une vidéo. Il y a un mois où il y a eu un accident avec un des chauffeurs du village, du colonel Mourou. Vous coupez. Vous présentez ça comme un fait d'aujourd'hui. Vous présentez ça comme si c'est passé, comme si c'est passé dans la semaine. Alors que le monsieur, le pauvre chauffeur, a été enterré à Daloa il y a un mois de cela. Il a été enterré à Daloa. Il y a parce que c'est dans sa grande famille qui est à Daloa. Il a été enterré à Daloa il y a un mois de cela. Il y a quand même, c'est quelqu'un, une agression. C'est comme on agresse ton parent et on le tue pendant l'agression. Et les gens vont récupérer ça pour en faire un jeu politique. Ça les amuse. Mais pensez à la souffrance des familles. Pensez à la souffrance des familles quand même. Ne prenez pas ça pour faire votre petit jeu politique. Non, soyons des bons acteurs, des vrais acteurs, des acteurs intelligents et utiles pour la société, pour les populations. Si vous avez des candidats qui veulent se présenter en 2025 du moins, c'est leur droit. 2025 là, c'est dans 4 ans. Mais commencez à écrire des projets, présentez les projets, venez expliquer votre capacité à diriger un jour le pays. Parce que vouloir diriger et être capable de diriger, ça fait deux. Ça fait deux. Vouloir diriger et avoir la capacité de diriger, ça fait deux. Tout le monde peut dire qu'il veut diriger, mais tout le monde ne peut pas diriger. Tout le monde peut dire qu'il peut être dirigé, mais tout le monde ne peut pas diriger. Il faut arrêter de croire dans votre tête que vous êtes des présidents. C'est des présidents de Facebook. Nous sommes sur Facebook, là, nous tous sommes des présidents. C'est virtuel. Chacun est président de sa page sur Facebook. La preuve, mon gouvernement est là, ils sont connectés. Ils sont plus à plus de 600, ils sont connectés. Ça, c'est ma communauté. Parfois, ils sont 2000, 1500, 1000. Ça dépend des jours où ils viennent au spectacle ou ils ne viennent pas. Il y a des jours où ils viennent écouter la conférence ou ils ne viennent pas. Il y a des jours où ils sont présents massivement, il y a des jours où ils sont moins, parce qu'ils ont aussi leurs occupations. Donc, chacun a sa communauté. On va dire que ce sont nos électeurs. Nos communautés sont nos électeurs. Chacun a sa page Facebook où il s'exprime, où il fait des analyses. Chacun est président de sa page. Donc, il y a beaucoup de présidents sur Facebook. On est tous présidents sur Facebook. Mais on n'est pas tous chefs d'État.
On est tous présidents sur Facebook, mais on n'est pas tous chefs d'État. Et tout le monde ne peut pas être chef d'État. Là, dans ma communauté, j'ai mon gouvernement. Mon gouvernement, c'est ceux qui vont chercher l'information qui m'amène. C'est ceux qui me ramènent des vidéos pour dire, Gouza, écoute telle partie de la vidéo. Ils sont là, et puis c'est des femmes, elles sont là. Ça, c'est mon gouvernement. Donc, chacun est président, chacun a son gouvernement, chacun a sa communauté sur Facebook. Selon Guillaume, nous sommes tous présidents sur Facebook. Mais on ne peut pas tous être chef d'État. Et ce n'est pas tout le monde qui dirige une nation. Mes frères et sœurs, c'était pour vous apporter cette information. Ne permettez pas aux gens de vous déstabiliser. Ne laissez pas les gens vous se foutre de vous. Parce que si on vous respecte vraiment, on se doit de vous donner l'information juste. Mais ceux qui viennent faire la propagande, ils vous manquent de respect. Ils vous manquent de respect. Ils ne vous respectent pas. Parce que le jeu aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara, après le décès de feu Amadou Ben Koulibaly, le premier ministre, le décès de feu Ahmed Bakayoko, premier ministre, le président a pris Tene Ibrahim, qu'il a nommé comme ministre de la Défense. Parce que le jeu, et je vais terminer là-dessus, le jeu de Guillaume Soro, sa stratégie, il se dit, Tene Ibrahim, le ministre de la Défense, Tene Ibrahim, est voué à la sécurité du territoire. Lui, là, sa gamme, c'est la protection du président de la République. La protection du territoire. Il n'est pas dans les discours de faire des conférences, de bling-bling, de passer à la télé. Ça, ce n'est pas sa gamme. Il n'aime pas parler même. Quelqu'un, il ne sourit pas. Tu ne sais pas s'il est content. Tu ne sais pas s'il n'est pas content. Il a assez de regards. Tu ne sais pas s'il est content. Son expression, là, tu ne peux même pas décrypter son expression. Parce qu'il est focalisé sur la sécurité du président et sur la sécurité du territoire. Donc, les gens n'arrivent pas à vraiment rentrer dans ces 4 mètres carrés. Se dit, oh, le gars là, lui, il ne rit pas. Ah. Quelqu'un qui ne rit pas, là, tu peux connaître ses faiblesses. Toi seul, tu parles jusqu'à un interrogat, tu finis, il dit, tu peux connaître les failles. Donc, tu ne sais pas de quel côté tu vas l'attraper, au fait. Lui, là, on dirait qu'il est dangereux. Non, mais ce qu'on avait avant, là, au moins, on pouvait lui donner des coups, mais lui, là, il ne rit pas, il ne parle pas avec quelqu'un, on ne sait pas où il se trouve. Lui, il est focalisé sur la sécurité du président et du territoire ivoirien. Il joue pas. T'as l'impression que c'est une passion même. Donc, on se dit, Soro, sa stratégie. Ah, ça là, comme c'est comme ça, je vais aller dans les anciens chefs comme Zone là, qu'ils ont gradé là. Il y a les mélanger là-bas. Quand j'ai mélangé là-bas, peut-être ça va déstabiliser. Le ministre de la Défense a sorti. Parce que actuellement, tout le monde le cherche. On ne sait pas où il est. Pourtant, tu ne peux pas frapper. Les gens même vont chercher des terroristes au Mali pour dire, allez-y, frapper dans tel coin de la Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent là, paka, ils ont des bains. Ah, mais le gars là, il ne fait pas conférence. C'est quel ministre de la Défense? On ne le voit pas. Mais on n'arrive pas à gâter un coin. Donc lui, il est où? On l'appelle l'homme invisible. Il te voit, tu ne le vois pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fatigue. Et puis c'est lui-même, Soro, à peur de lui. Ça fatigue. Guillaume ne dort pas. L'homme invisible, on ne le voit pas. Il ne rit pas. Il ne se fâche pas aussi. Ça là, ça les fatigue. Il dit, bon, les gars, on n'a qu'à mélanger les gradés de l'armée, là. Quand on va les mélanger, il est obligé de sortir, on le voit. Ça les fatigue. Donc, c'est des bonnes guerres. Parce que c'est de la stratégie, c'est des bonnes guerres. Ils vont, ils tournent, ils nous disent, bon, on a qu'à essayer de frapper dans le nord. Quand ils vont frapper, demain,
L'homme invisible a aussi là, les fléchettes. Hein. C'est là, les fléchettes. Ça le fatigue. Parce que c'est pas, il n'est pas dans l'ambition, la course au pouvoir de 2025. C'est ça le vrai point. Lui, il est pour la sécurité du président Alassane Ouattara. Tu t'es amusé à la sécurité du président Tidore. L'homme invisible, tu as sommeil en même temps. Tu ne le vois pas, mais tu dors. Tu as sommeil. Tu t'es amusé à la sécurité du palais. J'ai dit, tu dors. Tu ne le vois pas, mais tu dors. Toi, tu sais qu'on t'a tapé et tu dors. Ça là, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Donc, il n'est pas dans la course. Il n'est pas dans la course des ambitions de 2025. Il n'est pas dans ces courses-là. Il est concentré sur son travail qu'il doit faire. La sécurité du territoire. C'est sur ça qu'il est concentré. Donc, tu ne peux pas le déstabiliser. C'est les gens qui sont dans les calculs pour 2025, là. Ceux-là, tu peux les fragiliser. Parce qu'eux, ils sont déjà dans les calculs de 2025. Eux, ils placent leurs pions. Ils font leurs trucs déjà. Ils placent leurs... Ils sont en train de préparer leur terrain pour 2025. Donc, eux, là, ils sont distraits. Ils cherchent à plaire à d'autres pour dire, bon, là, je peux enlever quelques voix ici. Donc, je vais être gentil ici. Je vais être gentil ici. Ils sont distraits. Ceux qui pensent à 2025, là, ils sont distraits. C'est les gens qui sont distraits, là. C'est ceux-là, on tape. Mais l'homme invisible, il n'est pas distrait, il est concentré. Il n'est même pas distrait, même. Pas élégant. Tu ne le vois pas. Il ne sourit pas. Il ne se fâche pas. Tu peux faire quoi? Il faut arrêter tous ces mensonges-là, mes amis. Pour dire que le président Alassane Ouattara veut faire assassiner Moro Ouattara ou les chefs comme zone. Prenez garde, le président veut vous assassiner. Vous pensez que... Est-ce que vous connaissez? C'est pour ça qu'il dit Soro a occupé des postes de haute responsabilité par circonstance et par erreur. Parce qu'il n'a pas pris le temps de les connaître. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas. L'État a tous les moyens. Si l'État veut te taguer là, tu dois plus te taguer. Toi, tu ne vois rien dedans. On a besoin d'aller tirer sur le chauffeur de quelqu'un à Bondoukou dans un village, entre vous et moi. Mais ça, des imbéciles, on peut raconter ça, puis ils vont croire. Si à des non-éclairés, on peut raconter des mensonges, autant de grossièreté, puis ils vont croire. L'État qui est l'État, là, si l'État veut te taire, on n'a même pas besoin de venir tirer. Il dit, oh, Alassane Ouattara, il est à l'hôtel, dans une chambre d'hôtel, avec un petit téléphone. Bagbo, où on dit Bagbo? Blé Goudé ou les blancs du monde entier, là. Quand il met casquette ici, on dit, ouh, on va aller. C'est quel signe? Et puis les gens cherchent à comprendre, mais pourquoi il a mis la casquette ici? Pourquoi il a mis la casquette ici? On les a attrapés à midi, avec un petit téléphone, sans bruit. C'est lui, là, se va effrayer. Lui qui prend le téléphone, qui est assis dans une chambre d'hôtel. Celui qui est au palais là, il n'a plus signature, signe un compte à la BCAO. On dit qu'il n'a plus la signature. Il est assis à l'hôtel, puis il dirige le pays. S'il veut te faire quelque chose, c'est si ton cheveu en tiré. Mais vous là, vous ne connaissez pas l'État. Mais s'il y a des imbéciles, on peut raconter des conneries pareilles. Sinon, nous les éclairés, on ne peut pas nous raconter des conneries comme ça. C'est pas possible. Quelqu'un qui a l'hôtel. Et puis il crée sa télévision. Et c'est la télévision qui émet. La télévision nationale de Bagbo là. C'est elle dans voiture, en bureau. Et puis il se promène à Yopou. C'est dans voiture. Déjà, hein. C'était le téléphone qu'il prenait pour faire télévision. De la manière qu'il fait, hein, vous là. C'est ce que lui, il était au palais, il faisait. Il a besoin de tirer sur le pneu de voiture de quelqu'un. Vous aussi. Vous faites rire. Hein. Vous faites rire. Hein. Apprenez les institutions. C'est important. Apprenez les institutions. Et respectez les institutions, c'est important.
pour aider votre communauté à être plus éclairée. Parce que vous êtes en train de noircir les esprits. Vous mettez beurre dans les yeux tous les jours quand vous faites des sorties. Parce que vous mentez. Hein? Chaque mois là, il y a conseil de défense et de sécurité. Le colonel Moru Ouattara, les généraux, les gradés de l'armée là, ils sont au palais de la présidence, avec le chef de l'État, avec le ministre de la Défense, les gendarmes, les militaires, tout le monde, le corps là, ils sont au palais, dans la salle de conférence, de conseil. Ils font conseil de la défense. Si on veut vous taire, quand vous rentrez, vous ne sortez plus. Vous n'avez pas qui? Aïe. Vous rentrez au tri. Ceux qui vont sortir, sortent. Ceux qui vont pas sortir, sortent pas. On a bien intérêt sur la voiture de quelqu'un. Vous êtes des plaisantins. Hein? Vous êtes des plaisantins même. Il faut éclairer vos... Quand les gens prennent la peine de vous écouter, il y a un minimum de respect que vous leur devez. Il y a un minimum de respect que vous leur devez. Ce minimum de respect là, la vérité, c'est juste ça. Juste la vérité. Mes frères et sœurs, on va se laisser là. Et je voulais vraiment vous informer sur cette actualité, vous apporter l'information juste. Le colonel Moru Ouattara va très bien. C'est pas sa voiture. Pas du tout. Ce n'est pas son chauffeur. C'est son chauffeur, l'autre, son deuxième chauffeur du village qui a été attaqué par des bandits. Par des petits, des bandits, des cambriolets, des bandits qui sont venus pour pouvoir lui... Souterrer la voiture, venir prendre la voiture. Ils prennent la voiture, ils vont vendre ça au Ghana. Oui, c'est connu. Ils prennent, ils vont vendre dans un autre pays, en Guinée, c'est connu. Les 4x4 qui disparaissent en Côte d'Ivoire, ils vont dans des pays voisins. Donc ce sont les voleurs des 4x4. Malheureusement, le monsieur a perdu la vie. Yako à sa famille, que Dieu l'accueille dans son paradis. C'est lui pardonne ses péchés, l'accueille dans son paradis céleste. À vous tous, voilà l'information que je voulais vous apporter. Allez-y, dire. À ces soulards, à ces menteurs, à ces fake news, à ces propagandistes, à ces manipulateurs de la toile, que Gouza Naounou dit, le colonel Moru Ouattara se porte très bien. Moi-même, je l'ai eu. Il va très bien. Il vous transmet le bonjour. Et qu'il est autour de la République. Il est auprès du président. Il sait le chef de l'État. Il sait le régalien. Il est pour la nation. Soro Guillaume ne peut pas le diviser. Soro Guillaume ne peut pas le diviser. Soro, les gens là, ils ont goûté à la vie. Ils connaissent le luxe. Toi, tu es là pour quoi? Ils n'ont qu'à mettre botte pour aller où? Aller se cacher dans les poto-poto là-bas, dans les. Comment on appelle là, ça? Les coins là. Ceux qui font les. Qui volent l'or là. Comment on les appelle ceux-là? Dans les. Mines d'or là. Il n'a qu'à porter poto-poto pour aller faire quel combat là-là. Là-là. Quelqu'un qui prend un avion première classe, à cause de toi, il va partir en écho. C'est pas toi qui les as fait, c'est eux qui t'ont fait. Sans eux, tu n'es rien. Il faut que Soro sache que sans ceux-là, toi-même, tu n'es rien. Tu n'étais rien dans le pays là. Quand Soro à l'université, on nous aura fait quoi ça? Mais c'est grâce à eux que toi, tu es quelque chose. Ils ne te doivent rien. C'est toi qui leur dois. Et ils sont tes chefs, tu n'es pas leur chef. Tu es un petit qui homme. Bonsoir.